Le nom du Seigneur soit béni. Mon cœur est partagé. Il y a tellement de besoins, mon Dieu. Amen. Seul Dieu connaît, seul Dieu sait comment intervenir dans les cœurs et dans les vies. Amen. Il y a toute cette semaine, je me détale un peu, je parle un peu de moi. C'est pas commun, ça me dit un peu. Cette semaine, en réalité, j'ai bataillé et j'ai reçu quasiment toute la semaine le même verset, je vais vous le lire. Connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Gloire à Dieu. Ce verset, continuellement, toute la semaine, il revenait. Vous savez, depuis que je suis ici, avec vous, à l'église, mon ministère a pris une autre tournure. Il s'est fortifié. Il y a des sensations que je découvre par rapport au ministère. Je découvre beaucoup. Mais il y a quelque chose que j'ai reçu de bien précis. Et c'est que Dieu, quand il m'a appelé en tant que berger. Il veut que je sois un berger. Et ça, c'est quelque chose qui vient dans mon cœur. Et c'est pour ça que je suis friand des ordonnances de Dieu. Parce que, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que je vais vous apporter comme ordonnance? Ce n'est pas les miennes, c'est celles de Dieu. Il y a beaucoup de besoins. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en vie de le rencontrer. Il y a des personnes qui ont Dieu, mais ils sont attristés. Il y a des personnes. Tous les besoins sont différents. Mais je dis, Seigneur, comment intervenir dans ces besoins? Si tu ne m'aides pas, je ne peux pas. Et je crois au Seigneur Jésus. Amen. Il sait comment lui intervenir. Moi, ce que j'ai en tant que serviteur de Dieu, en tant que berger, pour nourrir les brebis, pour apporter de la nourriture, ce que je dois faire, c'est lire la parole de Dieu et la connaître, et le Saint-Esprit conduit. Et il y a de l'attristement par rapport aux chrétiens. Est-ce que tu sais pourquoi tu es attristé? Le Seigneur me l'a dit là. Et il m'a dit, dis-leur, je vais te dire pourquoi tu es attristé. Parce que tu confies trop sur toi-même. Gloire à Dieu. Tu as trop confiance en toi-même. Tu as trop une sous-estime de toi. Et tu crois que tu peux y arriver. La Bible dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si lui a dit sans moi, vous ne pourriez rien faire, n'essayez pas. Mais avec lui, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Donc, et on est déçu quand on veut, mais on n'y arrive pas. On est déçu. Seigneur, je suis tombé de nouveau au travers de ce moment-là. J'y arrive pas. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu t'appuies sur moi, cet obstacle-là n'est plus un obstacle. C'est un obstacle pour toi. Parce que tu veux arriver par tes propres forces. Et prends mes conseils. Et tu vas voir la tournure que ça va prendre. Cet obstacle ne sera plus un obstacle. Et si on se repose en lui, tu verras que ça fait moins mal. Tu verras qu'on souffrira beaucoup moins. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Quand on voit une montagne, on se met en bas de la montagne. Ah bon, grande. Il faut que je monte tout ça. Je vais y arriver. Je fais 5,5 kilos aujourd'hui. Je vais y arriver. Si tu t'éloignes de la montagne, c'est plus un obstacle. Quand tu la regardes de loin, avec le pouce comme ça, là, tu la caches. C'est plus un obstacle. Elle n'y est plus. Mais tu es tellement près. Tu es tellement près de tout ce qui t'obtient. Il y a dans la parole de Dieu, c'est très précis, je vais vous parler de ce qui s'est passé au commencement. Beaucoup le savent, mais il est bon de se le rappeler des fois. La chair, elle a été contaminée, notre corps a été contaminé par la désobéissance. Et ce qui a été touché, j'y vais un peu plus rapide, hein. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont le découvrir, mais pratiquement tout le monde le sait. Les cinq sens ont été touchés à travers la désobéissance. L'oreille,
partir du moment où Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et lui donne le conseil à sa femme. Tu veux essayer ? Dieu a dit, tu ne toucheras pas. Il a rajouté quelque chose. Parce qu'il tenait à ce qu'elle ne touche pas. Il dit, si elle ne touche pas, elle ne mangera pas. Donc il en a abusé un peu. Il dit, ça là-bas, tu ne touches pas. Parce que Dieu a dit que si on touche et on mange, on mourira. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il n'a pas prêté attention à sa femme. Il a juste donné le conseil, après il a dit. Mais ce qu'il y a, c'est que l'ennemi, lui, il n'en reste pas là. Et à un moment donné, elle a écouté la voix de l'ennemi. En disant, Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit que tu vas être sauvé? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu vas t'en sortir? Est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu vas y arriver? Est-ce que Dieu a réellement dit, tu ne toucheras pas de l'arbre du jardin? Vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin? Elle dit, non, on peut manger de l'arbre du jardin. Mais quand, paf, ça y est, elle a écouté. Le système auditif a été contaminé. Et à partir du moment où elle a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter, elle a posé ses regards sur l'arbre. Elle ne prêtait pas attention. Et quand elle a prêté son regard, bien sûr, le regard a été contaminé. C'est pour ça aujourd'hui qu'on écoute des choses qu'il ne faut pas. Qu'on regarde des choses qu'il ne faut pas. Parce que ça a été contaminé. Et puis, quand elle a regardé, elle a vu que le fruit était bon. Elle n'a pas goûté, mais elle sait qu'il est bon, parce qu'elle s'est appuyée sur ce qu'elle a vu. Elle a touché. Encore autre chose, il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher, et on continue, et on continue à les toucher, et on continue à les toucher, on continue à les toucher. Donc, trois sens. Il apporte. L'odorat a été touché. La bouche a été touchée. Les cinq sens ont été touchés. Et c'est ce qui nous amène au péché. Ne touche pas. Ne regarde pas. Vous avez vu comme ça vient ? Ne touche pas. Ne regarde pas. Ne mange pas. Ne fais pas des choses qu'il ne faut pas. Ne fais pas. Mais tu n'y arriveras pas. Pourquoi ? Parce que ça a été contaminé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Jésus-Christ est intervenu. Il est intervenu justement. Je le dis souvent et j'aime le dire. Quand il est venu, un homme qui l'attendait, il attendait réellement, lui. Il ne s'est pas dit, lui, oui, il va venir. Non, non, il attendait. Et quand il a vu, il attendait tellement qu'un jour il a vu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il a vu, il s'est, ça y est, il est là. Il est la solution à nos vies. Et on se repose en lui. Et en lui, nous pouvons tout. Tout est possible, mais avec lui. Amen. Et, comme je vous ai dit, les besoins ne sont pas tous les mêmes. Donc, je me laisse un peu conduire, et je pars d'un côté de l'autre, mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il y a un jour, Jésus est là, il est en train de prêcher, parce qu'il y a souvent des personnes qui viennent aux réunions, ils viennent constamment, elles viennent tellement, qu'elles sont tellement habituées à écouter les messages, qu'elles en ont l'habitude, et il ne se passe rien. Ils viennent, ils s'assoient et presque ils s'endorment. Comment se fait-il ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien parce que ça leur suffit. Quand ils viennent à la réunion, ça leur fait du bien, il y a un soulagement qui se fait. Bah, mais c'est tout bien, Seigneur. Mais quand ils ressortent, boum, tout retombe de nouveau. Il y a un passage là, ça se trouve dans Luc 13, au verset 10. Et oui, c'est la femme prouvée. Cette femme-là, elle venait continuellement à la synagogue écouter. Elle écoutait, elle avait l'habitude d'écouter. La Bible nous dit que Jésus enseignait dans la synagogue et il y avait une femme. Alors ça dépend des versions, mais le plus de versions qu'il y a, c'est liée. Elle était liée, elle était courbée. Elle avait deux choses. Mais ce qui la tenait courbée, c'était ce qui la tenait liée. Elle s'en était rendue malade. Et elle s'accoutume, elle vient aux réunions, elle écoute, presque elle s'endort. Dans toutes les réunions, ça lui fait du bien, elle s'évade.
Elle pense plus à rien. Et puis Jésus, il intervient. Parce que là où il y a le besoin, il ne passe pas à côté. Il intervient. Amen. Et il dira, femme, tu es déliée de ton infirmité. Et à partir du moment où il dit ça, elle est déliée. C'est fini. Plus rien qui la tient. Il n'y a plus rien qui la tient. Les chaînes sont brisées. Parce qu'il a dit, tu es déliée, c'est déliée. Et vous savez ce qu'il fait? Il n'en reste pas là. La bénédiction ne s'arrête pas là. Tu es délivré, tu es délié, merci Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il vient, il lui impose les mains pour sa maladie et elle se relève. Il se lève. Et à partir de là, une guérison totale. Une guérison de l'esprit et une guérison charnelle. Elle a tout eu, elle a tout reçu. Pourquoi? Parce que Jésus intervient dans les problèmes. Si tu veux t'en sortir, viens à Jésus. Et aussi, autant on peut vous aimer, je vous le promets de la part de Dieu, qu'on ne peut rien faire. On peut vous apporter ce que Jésus dit, mais pas autre chose. On n'a pas la capacité. On vous amène à Jésus. Et c'est lui qui intervient. Et quand il veut, lui, nous, on intervient. Selon ce qu'il veut, il enverra ses serviteurs. Allez partout dans le monde. Prêchez, ce qu'on fait. Appelez-les à la repentance. Voilà ce qui va vous sortir de là, c'est la repentance. La repentance où il y en a besoin, elle est impérative pour s'en sortir. S'il n'y a pas de repentance, vous savez, la chair, elle est capable à reproduire tout ce qu'il faut reproduire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse quoi? Elle est capable de reproduire tout ce qu'il y a à reproduire, jusqu'à un certain niveau. Mais au moment où il faut rentrer dans les choses de Dieu, rentrer dans le spirituel, elle ne peut plus. Et nous venons à Jésus pour qu'il intervienne dans nos vies. Est-ce que tu veux t'en sortir? Nojoral, s'il vous plaît, souriez, vous êtes plus bon puisque vous souriez. Vous voulez vous en sortir? Vous avez celui par qui vous pouvez tout. Rien n'est un obstacle pour lui. L'obstacle, il est pour nous. Hein. Il n'a jamais été pour lui. Hein. Oui, mais les démons, ils ne veulent pas. Les démons ne sont pas un obstacle pour lui. Ils ne sont pas un obstacle pour lui. Parce que, oui, mais les démons, ils nous tourmentent. Oui, mais lui, c'est lui qui les tourmente, les démons. Oui, gloire à Dieu. Ce n'est pas un obstacle pour lui. L'obstacle, il est pour toi. Tu veux t'en sortir, il te sort de là. Il n'y a pas de souci. Mais comment tu le sais, toi, pasteur, qui me sort de là? Qui c'est qui te l'a dit à toi? Il le dit dans sa parole. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas les bien portants qu'ils ont besoin du docteur, mais bien les malades. Et en réalité, nous sommes tous malades. Mais encore faut-il se rendre compte qu'on est malade. Vous avez vu, il y en a qui sont malades et on les regarde. Ouh, t'as bien. Je sais pas, t'es un peu pâle. Ouh, t'as maigri. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? Non, ça va, je suis bien. Il est malade, pour vrai, il s'en rend pas compte. Mais toi, comme tu le vois, tu vois qu'il n'est pas bien. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. Et s'il ne s'en rend pas compte, il n'ira pas au docteur. Il suffit qu'il s'en rende compte. La parole de Dieu nous dira, c'est marqué dans Jacques. Et il y en a qui viennent. Les docteurs, ils vont au docteur parce qu'ils sont malades à un moment donné. Ils sont malades, je vais aller au docteur, c'est pas possible. Tout le monde me le dit, je dois avoir un problème. Allez, je vais aller au docteur. Puis le docteur, il vient. T'es en train de lui dire. Alors nous, c'est vrai que nous autres gitanes, quand on va au docteur, c'est un peu, voilà docteur, j'ai ça, alors vous allez me marquer ça, vous allez me... Le docteur, il comprend plus rien. Il fait le malade, le docteur. Non, monsieur, c'est moi le docteur. Vous faites le malade, moi je suis le docteur. Allez, on prend les rôles, les bons rôles, allez, c'est bon. Donc vous vous asseyez, c'est moi le docteur, je vais vous prescrire, moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Je vais vous ausculter, il va vous regarder, voilà. Ah oui, ça y est, je vois, ça y est, je vois, ça y est, j'ai trouvé le problème. Je sais ce que vous avez, monsieur. Ah oui, vous savez ce que... Oui, j'ai trouvé. Il écrit une ordonnance, voilà, monsieur, ça, ce cachet-là, 3 fois par jour, et vous allez voir que d'ici 15 jours, ce problème-là, il est sorti. Vous ne serez plus malade, monsieur. Ah ouais? Oui. Et on rentre chez nous, bah, j'ai l'ordonnance, elle est là, l'ordonnance. Je rentre chez moi... Je prends l'ordonnance, je la mets sur le placard.
Ça y est, j'ai pris l'ordonnance. Je suis allé à la pharmacie, je l'ai pris l'ordonnance. Mais je l'ai mis sur le placard. Elle est bien là. Je vais guérir. D'ici 15 jours, il m'a dit le docteur. Je vais aller bien. On n'est pas bien. Il va au docteur. Docteur, je suis pas bien. Docteur, c'est pas parti. Mais monsieur, vous avez pris... Oui monsieur, je l'ai pris l'ordonnance. Vous avez pris les cachets comme je vous l'ai dit? Ah non, je ne l'ai pas pris. Et voilà monsieur. Gloire à Dieu. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, je suis venu à la réunion. Et je pars chez moi et tu m'as dit que ça allait tout s'arranger. Et puis il n'y a rien qui s'est arrangé. Mais c'est normal. T'as pas pris l'ordonnance. Si, tu l'as pris. Mais tu l'as laissé. Il fallait avaler. Et même si c'était dur à avaler, il fallait l'avaler. Et tu verras que là, aujourd'hui, tu serais guéri. Mais tu n'as pas pris. Alors comment il faut faire? Ah, on se le dit. Et tu sortiras, je te le promets, tu sortiras. Pourquoi je te promets? Qui tu es, toi, pour le promettre? Ben, je le sais parce que j'ai fait, moi, ce que je suis en train de vous dire. J'ai pris ces ordonnances et ça a marché. Gloire à Dieu. Et je suis sorti de là. Alors oui, alors il y en a qui, attention, hein. Je tourne de l'hôpital, hein. C'est des petits filous. Voilà, ils viennent, voilà, pasteur, j'ai un problème. Je ne sais pas ce que j'ai des angoisses, là, ça m'étouffe. Je ne suis pas bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'arrive plus à prier. Pasteur lui dit, c'est vrai que c'est bizarre, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. On essaie de trouver, on essaie de chercher. Et voilà, pasteur, oui, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé. Pasteur, j'ai volé une corde. Ah oui, j'ai compris, alors. Et alors? Oui, j'ai volé, j'ai pas fait exprès, je l'ai pris la corde. Ah ben oui, mais tu vas la ramener, c'est pas un souci. Ramène-la et tu t'excuses auprès du monsieur, voilà. Pardon monsieur, allez, je vous ai volé la corde. Et puis tu te mets devant le maître et tu demandes réellement pardon. Alors il vient 15 jours après. Pasteur, pas parti. C'est toujours pareil. Pourquoi? Je comprends pas. On se laisse conduire, hein. Je comprends pas. Mais la corde, tu l'as vendue? Oui, je l'ai vendue. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Je sais pas. Il n'y aurait pas dit quelque chose que tu m'as oublié de me dire? Cherche bien. Ah, ça y est. J'ai trouvé, pasteur. C'est que je vous ai pas dit, c'est qu'au bout de la corde, il y a une vache. Ah. Voilà. Voilà où il est le problème. Parce qu'on avoue et on délaisse à demi. Et ça peut pas marcher. Soit on délaisse et c'est fini, soit on avoue. Celui qui avoue et délaisse, il obtient miséricorde. Mais il faut qu'il avoue et qu'il délaisse, mais pas moitié. Oui, mais je suis pas bien, j'arrive pas. Mais c'est normal. T'as délaissé, mais à moitié. T'as rendu la corde, mais pas la vache. Et t'as avoué la corde, mais pas la vache. Donc avoue tout et délaisse tout. Et tu verras que ça marche. Et tu verras que tu vas changer. Ton attitude va être plus la même. Quand tu vas prier le Seigneur, tu vas voir. Bah, tu vas dévoyer. Tu vas y aller plein poumon. Il n'y a plus rien qui retient. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça y est. La vache, elle est mieux. Vous le comprenez? Cependant, ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On y va comme Dieu dit. On veut la bénédiction. Il n'y a pas de souci. On veut la bénédiction. Mais la bénédiction, on la prend, et pas à demi. Et on ne vient pas pour se soulager. Parce que c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, les frères. La présence de Dieu, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Il y a même des convertis qui viennent, ils viennent ici, ils ressentent la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est bonne. Mais ne vous habituez pas à ça. Parce que vous allez pleurer. Dieu n'est pas obligé tout le temps de nous bénir. Je vais prendre un texte, vous allez voir. On s'habitue trop. Et quand il n'y a pas, on a l'impression que c'est fini. Non. Elle est où ton assurance? Elle est en ce que Dieu dit ou en ce que tu ressens, toi? Parce que moi, même que je ne ressens pas, je sais que Dieu est là. Je ne sais pas. On s'en fout. Même si les démons ne veulent pas, Dieu est là. Et il ne trouble pas. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus, tout ce qui met en trouble maintenant, soit lié et chassé. On veut rien, on veut le Seigneur Jésus. On vient pour lui, nous. Et on ne permet à aucun esprit de venir troubler ces moments. Parce que nous voulons du Seigneur Jésus-Christ.
et de rien d'autre. Donc, alors on vient à la réunion et qu'est-ce qui se passe? Alors regardez. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, lui, il n'a pas dû être persécuté par les idées. Mais c'est Jésus qui parle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et nous, quand ça nous arrive, on est attristés. Mais c'est pas vrai ce qu'il a dit. Oui, mais t'attristes pas, c'est normal. Il a dit. Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et nous, on est dans la tristesse. Pourquoi? Mais sois pas triste, c'est normal. C'est normal. Parce que le monde, il nous en veut. Pourquoi il nous en veut le monde? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est... Pourquoi on a voulu le tuer à lui? Parce qu'il disait des vérités. Et la vérité, le monde, ça dérange. Il y a des vérités qu'ils ne veulent pas. Dis-moi la vérité, comme je vous disais tout à l'heure. Dis-moi la corde. Mais là-bas, je ne le dis pas. Garde-le dans le secret. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Hein. Non, c'est vrai. Dieu seul le sait. Hein. Le reste, c'est bon. Hein. Ils savent tous la corde. Ça suffit, maman, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Pas besoin de raconter la vache. Hein. Et non. Avec Dieu, on ne joue pas. Soit on est vrai. Dieu nous a pas. Nous, à aucun moment, prenez la Bible, lisez toute la Bible, je l'ai lu toute la Bible. J'ai vu à aucun moment qu'il y a marqué que Dieu nous demande à être gentil. Pas vu. Nous, gentils, vous savez, qui c'est qu'on appelle les gentils? C'est nous, les païens. Les inconvertis. On nous appelait les gentils. Mais ça, on était des gentils perdus. Mais Dieu, à aucun moment, nous demande d'être gentil. Il nous demande d'être vrai. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous voulons la vérité du Christ qui nous a franchi. Alors, on dit tous amen. Amen. Mais si vous savez à quel point ça fait mal d'être affranchi. Ah oui, ça fait mal. La chair, elle ne supporte pas. Il y a des vérités que la chair, elle ne supporte pas. Vous savez, à un moment donné, je faisais 180 kilos. Quand on me disait, barre ta gourde, je ne supportais pas. T'as pris le truc, je suis gros. Et oui, mais c'était la vérité. Il disait pas des mensonges. Et je l'acceptais pas. Et oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la vérité. Oui, oui, je le sais. C'est vrai. Si. Et alors, quoi? Simplement, je te l'ai dit. Te fâche pas. Il y a des vérités qu'on n'aime pas. Je vous parle un peu comme ça parce que je vous vois trop triste et j'aimerais un peu d'étendre un peu. Et. La vérité de Dieu, elle nous a franchis. On prend la vérité, on l'accepte. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que ça, j'aurais pas dû le faire. C'est vrai que cette parole-là, j'aurais pas dû la dire. Et nous, on est tellement attristés, Seigneur, mais vous savez pourquoi? On est tellement attristés parce qu'on s'appuie trop sur nous et on voit qu'on n'y arrive pas. Seigneur, j'aurais pas dû dire cette parole, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il est commis au ligno. Mais il est commis au. J'ai dit une parole, Seigneur, ça m'a tué. Je ne sais pas si le petit sera tué, mais moi, ça m'a attristé. Parce qu'il y a des paroles à ne pas dire. Mais c'est normal que tu es attristé. Il ne faut pas dire. Bon, mets-toi devant Dieu. Est-ce que tu crois au pardon de Dieu? On croit tous au pardon de Dieu, sinon on ne serait pas là. On croit que Dieu nous pardonne. Mais jusqu'à combien de fois me pardonneras-tu? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. Maître, en réalité, ça veut dire... Je ne jetterai point dehors celui qui est dans moi. J'attends que tu seras sincère et vrai, que tu viendras devant Dieu en disant « Seigneur, pardon ». Il ne te jettera jamais dehors. Je peux tous par celui qui me fortifie. Seigneur, je ne veux plus tomber là, c'est fini. C'est fini. Là, c'est terminé. C'est fini, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, je le vois le piège. À chaque fois, il est là. Je ne veux plus tomber là. Seigneur, garde-moi. Et tu vas voir que tu vas y arriver. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir la vie de Dieu. Alors, il y a des fois, ça fait deux fois que je le prends et je le passe. Regardez. La parole de Dieu est semblable à un miroir. Un miroir, et dans Jacques, il est écrit comme ça. Dans Jacques 1, 22, il disait « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Et des fois, ça arrive. On aime écouter la parole de Dieu. Elle nous fait du bien. Il y a des vérités qu'on ne cesse. Excusez-moi, mais je le sais, en plus je le vois. Parce
que Dieu m'a donné l'œil pour ça. Et je le vois qu'il y en a qui écoutent de tout dans des prédications. Alors je dis, mais c'est sérieux, je vois qu'il y en a qui lisent. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Mais il y en a qui écoutent de tout en prédication. Je le vois. Vous pouvez me dire que... Je le vois qu'il y en a qui écoutent de tout en prédication. Alors ça fait du bien. Oui, mais pasteur, tu connais pas. Si tu saurais tout ce qu'il a dit, mais toi, quand tu as écouté cette prédication, tu as vu l'autre. Tu t'es pas vu à toi. Mais tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a donné deux yeux pour voir les autres. Mais qui t'accorde des yeux spirituels pour voir ton propre cœur et tu vas voir. Tu vas voir la différence. Tu vas voir que quand chaque fois que tu vas écouter une prédication, c'est plus l'autre que tu vas voir. C'est toi. Et tu ne te laisseras pas tromper par des faux raisonnements. Des faux raisonnements, vous savez ce que c'est? C'est un des plus faux raisonnements qu'il y a, et que c'est une tromperie et que le diable y joue avec. C'est pas l'amour. Parce que l'amour, elle vient de Dieu, il n'y a pas de souci. Ça ressemble à l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est sentimental. Dieu pardonne tout. Mais Dieu n'accepte pas tout. Il y a des choses qu'il n'accepte pas. Ce qu'on pratique, il ne le veut pas. On s'en repent et on vient devant lui. Il nous pardonne et on le délaisse. On n'en veut plus. Que ce soit la corde ou la vache, on n'en veut plus, on le délaisse. Mais Seigneur, tu me donneras la force, Seigneur, d'y arriver. Et on ne se laisse pas tromper par des faux raisonnements. Et quand il y a, souvent, ça marche comme ça. C'est un peu sentimental. Et les sentiments, ce n'est pas obligé que c'est de l'amour. Oui, mais ça m'a touché, tu sais. Le frère là-bas, il m'a fait pleurer, tu sais. Il m'a fait de la peine. Mais est-ce que ça va avec ce que Dieu dit? Est-ce que ce frère-là, quand nous a béni, il a demandé pardon à Dieu? Est-ce qu'il veut s'en sortir? Parce que s'il veut s'en sortir, il prend des commandements de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, on ne prend pas ce qui nous intéresse. Soit on prend tout, ou on ne prend rien. Non, parce que ça ne marche pas à moitié. Agneau Pascal, il est écrit qu'il mangeait avec des herbes amères, mais il prenait tout, même les entrailles. Il mangeait tout. On le mangeait entier, complet. Et on ne délaissait rien. Alors c'est vrai qu'il y avait du mal, il y a des choses qui étaient difficiles à avaler. Mais ça nous a nourris. Et ça nous a sortis de l'Égypte. Ça nous a sortis. La mort est passée. Elle nous a point touché. La mort spirituelle, je parle. Bien sûr. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai pas pris ce que j'ai marqué. Mais j'aime parce que Dieu parle. Il conduit à travers la parole de Dieu. Il conduit parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. Je pensais un peu toucher tout, mais j'ai touché principalement un seul sujet, je sens d'arrêter, je ne vais pas aller plus loin. Juste vous dire quelque chose. On veut s'en sortir dans la vie de Dieu. Je sais que vous aimez Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, il y en a qui sont, pour les chrétiens, qui sont attristés, qui veulent avancer avec Dieu, il y en a qui veulent avancer avec Dieu, et tu as compris pourquoi, Dieu t'a parlé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on veut tous, on aime Dieu, et on veut s'en sortir. Et on le voit, parce que sinon, on ne serait pas aussi fidèle. On ne viendrait pas aussi souvent. C'est parce qu'en réalité, on veut s'en sortir. On veut que Dieu intervienne dans nos vies. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Voilà, on veut s'en sortir. Et si on veut s'en sortir, il n'y a pas 50 de solutions. On prend l'ordonnance. Le docteur nous a donné des ordonnances, Seigneur. C'est, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Maintenant, je vais faire comme tu m'as dit. Exactement. À la lettre. Vous rappelez, David, quand il a fait ce que Dieu l'a dit, mais il ne l'a pas fait à la lettre, il l'a fait un peu à sa manière. Le Seigneur, il ne comprend pas, il se fâche avec Dieu, lui. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait ce que tu m'as dit, oui, David, tu as fait ce que je t'ai dit, mais tu ne l'as pas fait comme je t'ai dit. Fais comme je te dis, à la lettre, et tu verras que ça marchera. Amen. C'est ça, Seigneur, mais ce que tu me dis, en réalité, c'est plus simple que ce que j'ai fait. Oui. Parce que tu te compliques la vie pour rien. Oui. Tu te compliques la vie pour rien. La parole de Dieu, elle est simple. Et vous savez, chez nous, chez les gitans, on est simple. Il ne faut pas nous compliquer. Parce que si on nous complique trop, on n'y arrive plus. Donc, la parole de Dieu, elle est pour nous en réalité. En réalité, elle est pour tout le monde. Hein. Mais bon, ça nous plaît bien ça. La parole de Dieu, elle est simple. Et nous, on est simple. Donc, prenons-la telle qu'elle est écrite. Et vous allez voir que si on prend à la lettre ce qui est écrit, on ne sera plus attristé. Vous savez pourquoi? Parce que quand on voit qu'on n'y arrive plus, oh Dieu, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Chaque fois qu'on tombe, c'est normal. On ne veut pas tomber.
Et on est attristé parce que Seigneur, on ne veut pas. Oui, mais prends ce que je t'ai dit. Comme je te le dis, tu verras que tu tomberas plus. Mais si à chaque fois on revient volontairement dans ces choses et on est justifié, on se sent pas mal, là il y a un problème. Il faut soigner. Jésus peut intervenir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.